together now. What's your vision? Ne perdez plus donc vos objets. Vous allez, grâce à cet appareil, retrouver, baliser votre terrain pour éviter de perdre tous vos objets. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit produit qui va être bien utile dans la vie quotidienne. C'est un petit appareil qui me vient tout droit de la Californie. Cet appareil s'appelle le Mynt. M-Y-N-T. Ce petit appareil est un tracker d'objets, mais il ne sera pas que tracker d'objets. Il va pouvoir aussi servir de télécommande, par exemple pour utiliser votre musique à partir de votre smartphone ou à partir d'un haut-parleur Bluetooth. C'est un appareil d'ailleurs qui se connecte en Bluetooth 4.0 et le Mynt va être utile au quotidien. Positionnez une barrière et dès que cette barrière est franchie, vous serez prévenu directement par notification sur votre iPhone. On va pouvoir accrocher le Mynt sur le collier du chien pour éviter de le perdre. Par exemple, le mettre dans un vêtement d'enfant pour que lorsqu'il dépasse une certaine limite du terrain de la maison, vous soyez prévenu. Il va pouvoir aussi repérer votre smartphone. Vous allez pouvoir aussi voir sur une carte où tous ces objets vont se trouver. J'avais envie de vous faire partager ce petit objet super sympa, compatible iOS Android. On a donc une boîte tiroir comme une boîte d'allumettes. On a, comme beaucoup de constructeurs maintenant font, le code QR que l'on va scanner avec notre iPhone ou une application sous Android et on va être dirigé directement pour le téléchargement de l'application sur le Play Store ou sur l'App Store. Ensuite, lorsqu'on va ouvrir notre petit boîtier, on va tomber directement sur le Mynt. Alors, le Mynt est un appareil ultra fin qui est très solide. Il est en aluminium pour éviter tous les chocs et en plus, vous allez pouvoir le laisser sous la pluie sans problème. Il possède une batterie lithium qui va vous durer pendant un an. Et livrer une deuxième batterie lithium dans le boîtier pour avoir 2 ans d'autonomie. C'est vraiment très sympa. Voici de très près à quoi cela ressemble. Alors, on a un seul bouton. L'appareil au toucher est très lisse. Et il est vraiment très 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 joli. On a donc un trou sur le haut. La finition est parfaite. Pour le comparer à une pièce de 2 euros, si on le met côte à côte, on est pratiquement, regardez ici, je vous le mets de très près, on est pratiquement à la même épaisseur qu'une pièce de 2 euros. On continue le petit déballage. Une deuxième batterie lithium est livrée avec, donc un an supplémentaire d'autonomie, de coller l'appareil sur votre smartphone, une tablette, etc. La petite bague pour le mettre sur le Mynt, pour justement ici après l'attacher à un porte-clé au collier de votre chien. Donc ça a été rapide pour le petit déballage du Mynt. Alors on va tout de suite maintenant le connecter, puisque on le connecte en Bluetooth, du Bluetooth 4.0. Et je vais vous montrer comment on s'en sert en termes de balisage, puisque on va baliser un terrain pour éviter que notre animal de compagnie sorte du terrain ou par exemple votre enfant sorte d'un terrain. Vous allez tout de suite être prévenu par notification. C'est quand même super agréable. Vous allez même pouvoir donc retrouver votre iPhone si vous ne savez pas où vous l'avez mis par le simple appui du bouton sur l'appareil ici et faire sonner votre iPhone. Je vous mettrai donc les liens où vous allez pouvoir en faire l'achat. Pour une 20aine d'euros, vous allez pouvoir vous procurer cet appareil, ce tracker d'objets. Après avoir téléchargé l'application Mynt, on rentre à l'intérieur. Alors attention, l'application est en anglais. Elle n'est pas francisée, donc ce sera à vous, avec VoiceOver, à franciser les boutons via une certaine technique. J'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Ici, on a deux appareils. Le Mynt GPS et le Mynt classique. On va prendre le Mynt classique. Et on va aller sur le bouton Donne. Alors, une fois que l'appareil est appairé,
Voilà sur quelle image on tombe. On voit que notre appareil est appairé. Okay. Et on peut aller sur le bouton OK. You are able to find your item with me. Donc là, il recherche une première pour le matériel qu'il a trouvé, donc il nous le fait entendre. On va instantanément appuyer sur le bouton de l'appareil cette fois. You are able to find your phone with me. Deuxième étape terminée et on peut valider. Let's start. On arrive sur la page d'accueil de notre Mite. Voilà donc le but du Mite. Et de retrouver son smartphone n'importe où il soit. On a tout simplement donc le petit bouton appuyé ici. Si j'appuie dessus, le smartphone se met à faire de la musique. Et bien sûr, vice versa. Si je pose mon Mite, je vais dans l'application en appuyant sur le bouton adéquat. Voilà donc ce que vous allez entendre si vous recherchez vos clés, votre chien ou tout autre objet où vous avez placé le Mite. L'avantage aussi, comme je vous disais donc en début de vidéo, ce petit objet peut être transformé en télécommande. Ça veut dire que si j'appuie une fois dessus, si j'appuie deux fois dessus, simplement avec ce petit bouton, on peut lancer la lecture, le mettre sur pause et avancer sur les plages. C'est quand même vraiment pas mal du tout, juste pour ce petit objet qui fait tout juste une vingtaine d'euros, le Mite. On va même pouvoir mettre le Mite dans la voiture et pouvoir retrouver notre voiture par géolocalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi donc un petit like si c'est le cas et surtout pensez à vous abonner. Merci aux 3000 abonnés, on a dépassé la barre des 3000 abonnés. Merci à vous tous, jamais j'aurais pensé que 3000 personnes auraient aimé ce qui est fait sur cette chaîne. Je vous en remercie énormément, j'espère qu'on va passer le cap des 5000 abonnés avant décembre, ce qui serait vraiment très beau. Merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous !